Après l'étape la plus sympa pour le pilotage, place à la spéciale marocaine la plus sympa pour les yeux. Au programme de cette cinquième spéciale, le Grand Sud marocain pour cette dernière journée au Maroc. Les concurrents se sont retrouvés au cœur des grands espaces exempts de tout relief et donc sans grande difficulté à signaler au niveau du pilotage. En revanche, la navigation fut compliquée avec la présence d'une multitude de pistes parallèles. À noter tout de même que ce vendredi, la spéciale a été amputée de 186 km en raison des inondations qui ont frappé la région de l'Aïoun il y a quelques jours. Aujourd'hui, il fallait être bien concentré pour ne pas perdre et garder le bon cap, ne pas tomber dans la facilité de ligne bien droite et relâcher son attention. Et la journée n'a pas été de tout repos pour tous. Patrick Sirejol a connu un nouveau bris de courroie de direction assistée et a constaté une grosse perte d'huile moteur à l'arrivée. Pour Philippe Gosselin, la course est malheureusement terminée après un gros crash de son Optimus au cours de cette spéciale. Fort heureusement, l'équipage est indemne. Les deux hommes en sont quittes pour une bonne frayeur. Troisième hier, il confirme sa régularité en se hissant dans le top 5 en quatrième position après finalement 270 km de secteur chronométré. Cherennikov retrouve petit à petit le rythme après 6 mois sans toucher au volant de son impressionnant Ford. C'était très sympa, très rapide, comme en WRC, mais en Afrique. C'est allé très très vite, on était à plus de 100%, c'était vraiment sympa de piloter, de regarder droit devant. C'était parfait, très excitant. Le Kazakh est au pied du podium de cette cinquième journée, à 31 petites secondes de Karginov qui retrouve sa place dans le top 5. Après une journée d'hier marquée par deux crevaisons qui lui a fait perdre un temps précieux, aujourd'hui la puissance de son monstrueux Kamaz a parlé, même s'ils sont limités à 150 km/h. Imaginez un petit peu un monstre d'acier qui n'a mis que 2h et 5 minutes et 52 secondes pour avaler 270 km, avec donc au final ce vendredi la troisième place au scratch. Devant lui, on retrouve son compatriote Vladimir Vassiliev. Vainqueur de trois spéciales depuis le début de la semaine, il a laissé filer celle-ci. Avec son humour très pince sans rire, il avouera n'avoir eu que 10 virages à négocier pendant 400 km et avoir même surpris son copilote somnolé. Bref, il limite la casse en finissant deuxième, sa Mini ne pouvant pas rivaliser avec le buggy sur ce style de terrain de Thierry Magnaldi. Car le Français a signé sa deuxième victoire consécutive. Le vent l'a quelque peu gêné. À 160-170 km/h, il sentait parfois des bourrasques qui le ralentissaient, mais c'était vraiment une spéciale faite pour lui et il en a profité. Jusqu'à présent, l'Africa Eco Race était une promenade rapide. Maintenant, les choses sérieuses commencent. La première semaine, le bilan n'est pas trop mauvais. On a retrouvé notre rythme. On recommence à bien se caler au niveau navigation. Mais voilà, le rythme est revenu et on espère que les petites bêtises qu'on a fait au début, on va les oublier. On récapitule donc le classement de cette journée. Deuxième victoire de suite de Magnaldi devant Vassiliev et Karginov. On notera la quatrième place de Cherennikov. Au général, Vassiliev concède un peu plus de 5 minutes à Magnaldi, mais garde toutefois un peu plus de 22 minutes d'avance. En troisième position, on trouve le premier camion, celui de Karginov. Tous les concurrents connaissent cette voiture. Lima 3, c'est elle qui donne le temps définitif de la spéciale et dans le nom Africa Eco Race, il y a Eco. Tout le système de chronométrage fonctionne grâce à un panneau solaire. On est 100% électrique, donc aucune pollution, aucun groupe électrogène. Il n'y a pas d'essence, bien sûr. Donc, les rayons du soleil sont captés par le panneau solaire qui, lui, nous fournit de l'énergie sur une batterie au lithium en 12 volts. Donc, la batterie se trouve à l'intérieur de la valise. Là, on a le régulateur de charge qui lui est relié d'un côté au panneau solaire et de l'autre à la batterie. Et une fois que cette batterie est alimentée, on alimente tout le matériel nécessaire au chronométrage des arrivées de spéciales.
Ça a été vérifié sur plusieurs rallyes. C'est un système qui a fait ses preuves. C'est vrai qu'au niveau du solaire, ça a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Au niveau de batterie aussi, parce que donc on a une autonomie suffisante pour le soir, ben, quand il n'y a plus de soleil. On travaille encore jusqu'à 4-5 heures avec en autonomie grâce à la batterie qui a été chargée pendant la journée. 100% fiable. L'objectif maintenant est d'équiper le bivouac en panneaux solaires pour qu'il soit 100% électrique. On passe maintenant sur deux roues avec, comme pour les autos, 50 derniers kilomètres entièrement nouveaux et plutôt rapides. Et pour la 188 100% électrique, la course se poursuit. Rappelons que l'objectif est de rallier Dakar sans une goutte d'essence. La moitié du défi est pour le moment relevée. Lui, son défi, même s'il ne le dit pas, c'est de garder sa première place au général. Gevsella a perdu du temps aujourd'hui, la navigation il l'appréhendait et ce vendredi il s'est perdu, se retrouvant seul en plein milieu du désert sans âme qui vive. Mais sans paniquer, il a retrouvé son cap, il a chuté sans se faire mal, mais il a réussi à franchir la ligne avec le 17e chrono, pas mal pour un jeune de 18 ans. Lui, il a le sourire. Depuis Menton d'ailleurs, Harit Gabari s'est peut-être perdu deux fois aujourd'hui, mais rien de bien grave. La course se passe merveilleusement bien pour lui depuis lundi matin. Et la moto, je l'ai deux jours avant le rallye. Il fallait un peu pour se mettre bien, pour bien la manier la moto. Après, j'ai retrouvé ma place, j'ai rattrapé le bon wagon, les premiers, les trois premiers. Et du coup, sur toutes les étapes, j'ai fait troisième. Je crois même celle-là, avec tout le temps que j'ai perdu, je finis encore mieux. Là, je suis rentré premier, mais ils sont derrière. Je crois encore c'est troisième. Mais je ne veux pas finir troisième. Hein. Bon, je dis rien. Troisième donc à 1 minute 58 du double vainqueur de l'épreuve. Palander Solvalsæter a repris aujourd'hui du temps en leader, mais il reste toutefois près d'une heure de Sella. Le Norvégien se bat avec ses armes malgré un poignet gauche douloureux suite à sa chute d'hier. Après une semaine de course, Solvalsæter en bon perfectionniste n'est évidemment pas satisfait, mais le rallye est encore long et la Mauritanie sera un bon juge de paix. Lui, personne ne l'a vu arriver, sauf ceux qui étaient là l'an dernier. Quatrième de son premier Africa Eco Race en 2016, Dimitri Agochkov l'emporte et signe sa deuxième victoire en deux ans. C'était difficile aujourd'hui pour lui en termes de navigation, mais le bonheur de piloter reste la priorité du Russe. Oui, aujourd'hui, c'était une étape vraiment incroyable. Une journée très rapide. Cette étape était comme l'an dernier. Et la navigation en fin de spéciale était vraiment très difficile. Allez, le classement de cette journée. Victoire de Agochkov devant Solvalsæter et Gabari. Martin Benko est cinquième. Et puis au général, donc, Gevsella reste leader, mais avec maintenant 39 minutes et 53 secondes d'avance sur Tchetchi et 57 minutes et 5 petites secondes sur Palander Solvalsæter. L'image du jour est celle du man de Lady Chagaga, Elisabeth Jacinto, au moment de son abandon il y a 3 jours. Un abandon dû à un début d'incendie de son moteur, les obligeant à évacuer rapidement. Et puis la seconde image du jour, elle est pour les pilotes d'hélicoptères de l'Africa Eco Race et le caméraman toujours au plus proche de l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, repos pour tout le monde. Après une première semaine intense, les hommes et les mécaniques ont besoin de se reposer et de recharger les batteries. Nous serons en bordure de l'océan Atlantique à Tarla, puis direction la Mauritanie pour la 6e spéciale. On se quitte maintenant avec les plus belles images du bivouac et les plus belles images de la journée. Ciao.